Coucou. Alors, vous êtes prêtes à partir ou pas, les filles? Oui. Alors, ce soir, l'objectif, c'est quoi? On va voir la neige. Et voilà, donc on va essayer de s'arrêter, si on peut. On va aller s'arrêter à le Lioran. Le Lioran, super le Lioran. Voilà, c'est ça. Ça va, toi, Clémence? Qu'est-ce que tu fais? Une petite chanson. Attends, on enlève ça parce qu'on n'entend pas bien. Vas-y, fais-y. Le feu, allumez le feu. Allez, je coupe. On se retrouve tout à l'heure. Allez, voilà, on est sur le départ, tout le monde est là. Donc Eva, que vous avez pu voir dans la visite de Clisson, voilà, ma petite nièce, enfin ma grande nièce, 11 ans. Et puis bah ici, donc là, il y a Jeanne Guilbeault, hein, qui est là, coucou, les internautes, Clémence, je sais pas où elle est. Voilà, puis il y a les potes de l'école qui bossent. Voilà. Ça bosse dur, ça bosse dur, pendant que les autres partent en vacances. Direction Cholet. Ensuite, Poitiers, Limoges. Ce soir, on va s'arrêter, j'espère, à le Lioran. Super Lioran, voir les pistes de ski, ça va nous donner envie. Allez, à tout à l'heure. Du coup, derrière, tout va bien. Il y a Clémence, Chloé et Jeanne. Je suis hyper forte en Père Noël. Et là, on arrive à le pont commune de Mazerolles. Donc c'est assez beau, hein, la France est belle. Voilà, là, on est entre Poitiers et Limoges. Et voilà, alors, comment ça s'appelle? On est dans quoi, là? Campécar. Dans Campécar. Ouais. C'est bien? Il y a Dudu dedans. Ah bon? Ah, t'as mis Dudu là-dedans? D'accord. Ok, ok. Mais c'est pas ta chambre, ça? C'est la chambre de qui? Jeanne. Ah oui, c'est la chambre de Jeanne. Voilà, voilà. Bon, bah nous voilà arrivés. On est au Lioran. Donc, Eva est là, notre abonné, qui est abonné. Oui, hein. Abonné fidèle. Voilà, fidèle abonné. Jeanne, toi, t'es pas abonné encore. T'as pas encore de chaîne YouTube. T'es trop petite. Voilà, donc nous voilà au Lioran. Alors voilà, nettoyage des panneaux solaires. Première étape, monter sur le toit. Alors moi j'y vais pas parce que j'ai une sciatique et c'est assez dur. Déjà j'ai vachement mal à conduire. C'est pas évident quoi. Elle va pas tomber hein. Voilà. Donc on va suivre la bait. Si, si, faut nettoyer, il y a toujours une pellicule. Ah, est-ce que ça se nettoie avec du sopalin? Ça, je sais pas. C'est sale ou pas? Moi, je pense qu'il y a toujours une petite pellicule qui se met dessus. Parce que tous les collègues qui ont une chaîne YouTube, ils font ça au moins une fois par an. Ça devrait quand même charger, il y a un truc qui va pas. Les fils sont débranchés ou... Il y a un truc débranché, c'est pas possible. Bon, alors la suite au prochain épisode. Donc voilà, il y a un télésiège d'ouvert. Je zoome un petit peu. Il marche. Voilà.
J'ai un peu de tremblote. Hein. Et puis bah là, évidemment, on est... Mais sur quoi il skie du gazon ? Voilà. Là, on est au cœur de la station. Alors, vos impressions ? Il n'y a pas beaucoup de neige, quand même. Il n'y a pas de neige du tout, quoi. C'est que de la neige à canon, si tu veux skier. Hein. C'est de la neige à canon, c'est ça. Il y a le piou-piou. Le piou-piou est ouvert, et puis bah, sinon, il n'y a pas grand-chose, quoi. Hop ! Ils ont sorti le téléphérique. Voilà. Qu'est-ce qui t'arrive, Jeanne ? Qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux faire le piou-piou ? Ben ouais, mais on n'a pas les skis, alors bon, ça va être dur. Hein. Est-ce que tu sais skier, toi, Jeanne ? Bon, dis à la caméra. Oui. Ouais, t'as déjà fait du ski ? Tu sais bien skier ou pas ? Oui. Ouais, 4 ans et demi. La descente des pistes bleues, c'est bait. Allez, je coupe. Bon bah voilà, il n'y a pas grand chose d'ouvert. Par contre, on peut monter au pont du Cantal, 1855. Il faudrait revenir quand il y a de la neige, quoi. Il y a Tombe du Père, sur la droite, là, il y a les Noirs, Crête et Dujon, voilà. Bon, il y a deux Noirs, quoi. Ah non, il y a l'Aiguillon, les Roches, ici. Voilà, l'Aiguillon, les Roches. Voilà, on peut aller jusque là-bas, Pratbouc. En fait, ça a l'air d'être assez... voilà. 20 cm, bon, c'est pas génial, quoi. C'est pas génial du tout, mais bon. Elle est contente. Bon, bah, pas de regret, quoi. Il n'y a pas de neige. Peut-être sur le retour. Peut-être sur le retour, voilà. Mais bon. Mais après, ça va être une station assez cool, quand même. J'ai peur que tous les gens de Clermont-Ferrand, ils viennent ici, quoi. Ou les gens d'Aurillac, en fait. Ils viennent skier ici. Voilà, une station familiale, quoi, hein, on va dire. Super Lioran. Voilà, le Lioran. Voilà, voilà. Bon, bah alors, du coup, il y a 5 pistes d'ouvertes. Que des bleus, un peu pas terrible. Donc là, ils font le forfait à 10 euros la journée. Mais sinon, ça a l'air pas mal, hein. Ouais, c'est... Bon, il y a quelques noirs, quoi. Familial. Voilà, faut venir skier 2-3 jours, quoi. Parce que, bon... Bah, des gens comme nous, la station, on l'a fait en une matinée, quoi. Bah, on sait skier, quand même. Hein. C'est qu'on filme toi et ton jogging vert parce que franchement c'est beau. Donc voilà, on va dire au revoir à Le Luron, à Super Luron. Bon, il faudra venir skier ici, ça peut être pas mal. Hein. Ça peut être pas mal parce qu'il y a pas mal. Coucou Eva. 60 km de piste hein, quand même. 60 bornes de piste. Donc un peu de tout quoi. De la bleue, de la rouge, un peu de noir. Mais après. Bon, comme je disais tout à l'heure, à mon avis, on a vite fait le tour de la station. Quoi. Donc là, on se dirige vers... Ouais. Pour aller voir qui ouais. On va voir qui Jeanne Mamie de... On va voir Mamie pour fêter Noël à Bolen, à côté de Orange. À côté de Orange et dans les côtes du Rhône. Voilà, voilà. Alors, on prendra peut-être des images de la route, là, ça a l'air beau. Je suis un peu vert parce que le plafond est bas, donc pour faire du drone, bon, on verra quoi. C'est pas gagné quoi. Allez, à plus tard. Ciao, ciao.